Hello, hello, hi, hi, hi. Un nouveau jour, un nouveau vlog. On est dimanche, j'étais censée être à la plage. Là, je dois attendre que cette vidéo se poste avant de sortir et de vaquer à mes activités. J'ai fait un petit live sur Instagram, donc merci à celles qui étaient là pendant le live. Ok, là je suis dans une gare, je vais prendre un train pour aller à la gare de... pour aller au pont de Bagnoli. Apparemment c'est quelque chose à voir dans les environs. Donc j'en ai pour une vingtaine de minutes de trajet. Et puis ensuite je vais marcher, je vais me balader là-bas. Et je verrai ce que je fais. Je suis en totale improvisation. Ok, là je suis sur le pont et le pont est vraiment immense. Il y a du vent donc je ne garantis pas que vous puissiez m'entendre. Le pont est vraiment immense, il va loin dans la mer. Donc c'est une vue magnifique. Nous sommes deux sur le pont, il n'y a strictement personne. Alors aujourd'hui j'ai ressenti la peur d'être seule, sans capacité d'appeler à l'aide, sans capacité de... qu'une personne puisse intervenir en ma faveur en étant seule sur un pont avec une autre personne. Il y a une deuxième personne qui est arrivée et je me suis dit ok, là je pars parce que je suis seule quoi. Mais en fait j'ai vu la tête du monsieur et je sais pas, j'ai écouté mon intuition. Donc j'ai décidé de rester et d'aller au bout de la chose et d'aller au bout du pont. Et c'est l'un des plus beaux moments que j'ai expérimenté à Naples. J'entends plus la mer, le bruit des vagues qu'autre chose. C'est extraordinaire. Je sais pas si vous m'entendrez parce qu'il y a beaucoup de vent. Ah. Bon les copains, je n'ai absolument aucune idée d'où je peux bien me trouver là. Je suis montée dans un funiculaire comme ça, sans vraiment savoir où il allait, jusqu'au terminus du funiculaire. Et il se trouve qu'il est à deux pas d'un château. Et là, je suis tombée sur cette vue, mais elle est juste magnifique, quoi. Elle est magnifique, c'est... waouh. Et une vue sur Pompéi. Hello, 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 hi, hi, hi. Un nouveau jour, un nouveau vlog. Et là, j'ai fait mon lit. Vous êtes actuellement posé sur mon lit. Et je vais faire... aujourd'hui, c'est une journée plage. Bon, premier jour de règles. Premier jour de règles. Premier jour de règles. Donc, je savais que mes règles allaient arriver parce que j'étais... gonflé, je vois mon corps gonflé en fait, voilà, les photos que j'ai prises en mal bain la dernière fois et tout, je sentais que ça venait parce que mon corps, ça perd du moins ou ça gonfle. Mais écoute, est-ce que ça va nous empêcher d'aller à la plage? Non. Est-ce que ça va nous empêcher de vivre notre meilleure vie? Non plus. Donc voilà, moi je suis parée, ok? Let's go to the beach, beach, let's go to the beach, ok? Je profite de mes 30 dernières minutes là à la pêche et puis je vais m'en aller. Je pense aller manger quelque part, je pense, et manger une glace. En fait, me faire un dernier cheat meal parce que quand je rentre là, il n'y aura pas de cheat meal pendant un moment. Mais c'était un beau séjour, j'ai vraiment passé un beau voyage et
Mine de rien, je suis restée plus longtemps que quand je suis allée à Lisbonne et j'ai fait deux villes, donc c'est vrai que c'était un super voyage. Je suis contente. Bon, allez, on est de sortie. Je me suis changée et je porte le haut blanc là que j'avais porté rapidement une fois. Un pantalon beige, des baskets blanches. Parce qu'on va manger. Je vais manger des pâtes ce soir. J'espère qu'elles seront bien fat et qu'il y aura bien plein de fromage. Parce que j'ai mal au ventre et que je mérite ça. Hello, 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 hi! Another day, another vlog! Donc, on se retrouve aujourd'hui et c'est le départ. C'est le départ, je pense que vous l'aviez compris hier, qu'aujourd'hui c'était le dernier jour. Je me suis mise dans une tenue que j'aime bien, qui me correspond bien, qui me représente bien. Et comme je vais passer une journée éreintante à l'aéroport, je me suis dit, autant porter une tenue qui te correspond, qui te représente et dans laquelle tu te sens bien. J'ai rangé le Airbnb, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas un fil qui dépasse. Parce qu'un truc avec moi, je vais rendre mon Airbnb dans un très bon état. Je vais le rendre très propre. Parce que this is how I operate, ok? C'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je suis. Il faut que je rende mon Airbnb dans de très bonnes conditions, voilà. Bon, dans de très bonnes conditions, mais le lit, comme tous les matins, je l'ai fait un peu comme je peux. Comme je peux. Donc, lit fait. Drap plié. Serviette sale pliée. J'ai pas vu de panier pour mettre au sale, donc je les ai juste disposés là. Here you have the overview. Voilà. Pas de vaisselle, il y a juste mon thé là que je vais boire avant de partir. La poubelle que je vais jeter. Le sol a été serpillé, balayé. Ce qu'il y a sur la table, bah attendez, je vais descendre. Le frigo, vidé, nettoyé. J'ai mis une bouteille d'eau parce que je suis allée acheter une bouteille d'eau hier soir à minuit. Je suis sortie acheter une bouteille d'eau parce qu'elle m'avait laissé des bouteilles d'eau. Donc je me suis dit, j'en laisse une au frais pour les prochains. Mes valises sont bouclées, sont fermées, tout est prêt. Ça, c'est le sac avec lequel, bien évidemment, je voyage comme à l'aller. Vous voyez, là, il y avait plein de vêtements et tout rangé. Let's go in the bathroom. So, tout a été nettoyé. Ce tapis-là, je vais le plier tout de suite, là.